Et bonjour tout le monde, c'était Pseudo. Et donc, voici jour 13 de Cygne 4. Vous voyez qu'il y a eu certains changements, notamment la barre de morale qui a bien baissé. Et en plus, pas mal de personnes ont été blessées. Donc, c'est embêtant. Et on avait eu une grosse vague de hunters, donc on va aller au Pastisai récupérer des débris pour pouvoir réparer le vaisseau. Comme vous voyez, la crise des mines, etc., a été réglée. On a vu encore eu un incendie qui a été réglé. Et là, on va se, comment dire, se donner les. Hein? Donc, c'est. J'ai 9 PV. Non, je vais d'abord aller récupérer les débris, puis après, je verrai. Hop. Donc, comment se passent les débris? Donc, ça va être pour, comment dire, avoir des choses pour pouvoir. Donc on va aller dans le Pacify et on va faire rapatrier débris. Voilà, donc une capsule spatiale. Des débris. D'autres débris. Et des captures spatiales encore. Ben, je pense que ça va aller. Hop. Voilà. Donc, dans l'idéal, j'aurais pu rester et continuer à, comment dire, à en avoir un de plus. Mais voilà, donc je vais aller papoter avec Andy pour Nomoran parce que à 5 c'est pas terrible. Voilà, 7 c'est sympatoche. Voilà. Et maintenant, on lit son rapport de points de vie. 9 PV, 7 de morale. Voilà. Et voilà. Donc, c'était la petite crise. Bon, tiens, c'est marrant parce qu'on a comment dire, je pense que ça va être un drone. Attends, c'est stockage bêta, stockage alpha. Dans le stockage alpha, je pense qu'il y a peut-être un drone qui est pété. Donc, faudra que j'y jette un oeil. Si avec 3 points de mouvement, si je fais ça, fait 1, enfin, ça fait gratuit 1, 2, 3. Je pourrais y jeter un œil plus tard. Enfin, non, je pense que Radical s'en occupera. Et puis voilà, c'est tout. Et voilà.
Donc, nous, au niveau d'oxygène, on n'a pas de problème. Donc, on n'a pas eu des trucs cassés ici. On a juste eu des incendies, des secousses. Des personnes ont été blessées. Donc, on va se soigner. Surtout que là, il y a Derek qui s'en est pris une ici. On a aussi UA qui a éteint les incendies. Donc du coup, elle demandait un lit ici, mais elle est nécessaire. Bon, voilà, ce qui est fait. Je pourrais théoriquement augmenter le niveau de Terrence et prendre tout de suite ma compétence 4 pour avoir Terreur, pour être encore plus efficace. Mais je prévois pour comment dire avoir au moins la double affection de bûche. Bien que c'est vrai que ça pourrait être très utile dans la partie actuelle. Au pire, je verrai si jamais on a vraiment des très grosses vagues d'hunters. Je pourrais toujours en apprendre et retarder le niveau des mûches. Surtout que je l'attends particulièrement de mûches parce que là on est vraiment en fin de partie. On a 2 cartes sur 3. Donc voilà. Donc on risque de bientôt finir la partie et d'en commencer une, et dans la prochaine je pourrais peut-être être mûche, et donc c'est pour ça que je veux rapidement la double infection. Sinon c'était tout, pas grand chose à ajouter pour le moment. Les incendies sont réglés, il y a quelques petits trucs cassés, peut-être un drone. Et des choses se passent bien. Si quand même je vais vous montrer là, les planètes qu'on a. Là on a de la merde. Et là on a des vies intelligentes. Bon voilà. Mais sinon on n'a pas grand chose. Bon enfin. Mais sinon on a des plaques, etc. Ça commence à devenir un peu dangereux. Regardez si il n'y en a pas eu d'autres. Blablabla, perdu du moral, blablabla, gagné, blablabla. Je crois que, à part les chats, je n'ai jamais vu en citrouille N. Et Derek non plus, si Derek n'a été. C'est juste pour prendre compte de qui pourrait encore être possiblement mûche, vu qu'il y a la question du est-ce que si un comment dire est-ce que un mûche peut dire qu'il est humain pour avoir de sérum. Bon bah évidemment que non, c'est de l'anti-jeu, mais la question a été posée, donc méfiance. Voilà. Bon bah c'est tout ce qu'il y avait à dire pour le moment. Ça va peut-être empirer. Ça va peut-être pas empirer. On verra.